bien, salut à tous, c'est Gousset, j'espère que vous allez bien, en tout cas ma part ça va nickel. Alors désolé encore une fois par rapport à la qualité déjà du micro, hein, c'est vrai que là j'utilise un micro qui date de très longtemps, qui date très longtemps, c'est un micro externe, hein, un micro pour les smartphones, vous savez les écouteurs avec les micros, c'est un écouteur qui date assez longtemps, du coup le micro aussi, avec lui il date assez longtemps, je m'excuse aussi d'avance pour le bruit qu'il y aura aux alentours, ce n'est pas de ma faute, vous savez, certainement vous êtes déjà en rentrée de classe, parce qu'il faut savoir que cette vidéo vous la voyez en octobre, et justement, moi je tourne mes vidéos en avance pour pas être trop pris pendant les mois, par exemple là je tourne cette vidéo que vous voyez en octobre, le mois précédent, c'est-à-dire au mois de septembre. Bref, j'avais envie de faire un petit gameplay chill pour ce mois d'octobre parce que le mois de septembre c'était le thème principal du mois de septembre, c'était Fallout et c'est tout. Et j'avais envie d'un petit gameplay assez chill. Et là, vu que pendant le mois de septembre, milieu août, je commençais à regarder des simulations comme Farming Simulator et Bus Simulator, j'avais envie de faire un jeu, faire un gameplay chill sur Farming Simulator justement. Alors avant de commencer, parler tranquillement, hein, parce que là vous avez un gameplay, c'est un gameplay assez chill, c'est une vidéo assez détente, on parle de ce qu'on veut. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de bruit autour de moi, donc faites pas attention. J'essaie de parler pour pas que vous entendiez beaucoup de bruit, mais voilà. On dit, on peut pas tout prévoir, il y a du bruit, et si j'attends encore faire une vidéo, en octobre vous aurez plus de vidéos, et du coup ça, vous allez voir une vidéo que en novembre, et du coup ça serait chiant. Alors juste, comme je vous ai dit, en septembre, vous savez, comme je dis, je tourne une vidéo en avance. Et en septembre, vous voyez la vidéo sur l'affaire 76 et que j'avais pris un extrait gameplay sur la vidéo de Quendigoldo. Sachez que personnellement, j'avais tourné cette vidéo en début août et que je l'ai postée début août, forcément. C'est juste que quand je poste une vidéo, je programme pour qu'elle sorte en septembre, pour que ça reste dans un planning. Vous savez, une vidéo, deux vidéos par mois depuis le mois de juillet, je crois que j'avais commencé à faire ça. Mais sauf que vu que j'avais déjà fait la vidéo et que j'avais sorti, j'avais prévu qu'elle sorte au mois de septembre, et bien à ce moment-là, Quedingo a sorti une vidéo qui résume mieux que moi Fallout 76, Fallout 76, hein, qui résume mieux que moi l'aventure que Fallout 76 a eue, etc. Mais je vous conseille aussi d'aller voir cette vidéo, je mettrai pas le lien, vous pouvez la chercher. Par contre, voilà. Ce qui était un peu dommage aussi en ce mois de septembre, c'est que ma vidéo sur la radio, Galaxy News Radio, elle n'est pas vue par tous, tout simplement parce que copyright, un droit d'auteur, du coup, elle n'est pas vue dans certains pays et pas tout le monde peut la voir. Du coup, si vous n'avez pas eu la possibilité de voir cette vidéo, c'est dommage. En fait, Galaxy News Radio, cette vidéo, tout simplement, il y avait des chansons des années 40, 50, etc. Mais il y avait aussi l'intervention de Free Dog. Et je trouvais ça assez sympathique parce que quand je regarde sur YouTube, les interventions de Free Dog, il n'y en a pas quand on tape Galaxy News Radio. En français, bien sûr. Parce qu'en anglais, il y en a, mais en français, il n'y en a pas. Du coup, je voulais faire celui qui avait fait en français, juste 10 minutes. Hein. Je ne pouvais pas faire plus longtemps parce que sinon, j'aurais pas pu upload cette vidéo. Mais bon, voilà. Restons sur Farming Simulator, ce jeu que vous voyez en ce moment. La version, le gameplay que vous voyez derrière, c'est Farming Simulator 14, sorti sur iOS et Android, qui est maintenant gratuit. Hein. Vous allez peut-être me dire pourquoi pas le 16, parce que le 16 a un meilleur moteur graphique. Certes, le 16 a un meilleur moteur graphique, mais je suis sur iOS. J'ai toujours un vieux smartphone qui date de 2015-2016. C'est l'iPhone SE première génération, hein, et j'ai que 14 Go de stockage. Enfin, 16 Go sur le papier qui est annoncé, mais quand tu regardes dans le smartphone, tu as que 14. En plus des 5 Go que le système prend, donc du coup j'ai que 10 Go. Et du coup c'est un peu chiant, c'est assez short, j'avoue. Du coup j'ai pris le FS14 parce que ça faisait que 135 mégaoctets et avec les documents et données ça fait que 136. Contrairement à FS16, FS pour Farming Simulator, il fait que 197 mégaoctets et qu'avec les documents et données ça fera 200 mégaoctets. Je préfère toujours optimiser la place. Faites-moi aussi savoir dans les commentaires si des gameplays assez chill où je parle un peu par-dessus comme ça, comme je force, bon, si ça vous plaît. Parce que j'allais proposer un gameplay de Farming Simulator, mais j'allais pas parler parce qu'avec, vous savez, l'enregistreur de base sur iOS, c'est pas parfaitement réglable. Parce que même si je baisse le son du jeu dans le jeu, si je baisse le son du jeu au bas, au minimum, quand le jeu, quand l'enregistreur enregistre ce qui se passe sur l'écran, je sais pas pourquoi, par défaut, le son du jeu, là, il est encore plus fort sur l'enregistreur. Tandis que on a fait exprès de baisser le son carrément dans le jeu. Et je comprends pas cette logique. Dommage.
qu'on peut pas plus personnaliser ça. Là, je dis ça, voilà, vu que cette vidéo sortira en octobre, peut-être qu'avec iOS 14, etc., on pourra personnaliser. Comme je dis, mais je sors cette vidéo en septembre. Cette vidéo est tournée le 2 septembre, il faut le savoir. Du coup, voilà, j'avais une idée de vidéo pour ce mois d'octobre. Il faut que je travaille vite et rapidement. Du coup, j'espère qu'en mois septembre, j'aurai assez de temps pour le faire. En tout cas, si vous voyez qu'une seule vidéo en mois d'octobre, bah, ça veut dire que bah, la vidéo qui était prévue au mois d'octobre sera reportée au mois de novembre. Hein. C'est une vidéo, en fait, je peux dire, parce que mes vidéos sont tournées en avance, du coup, j'ai aucun souci là-dessus. C'est que j'avais envie de faire une vidéo sur l'histoire de Farming Simulator. Je sais pas si je vais le faire. Tout simplement parce que j'ai une envie, hein, c'est ça cette envie, mais il faut aussi de l'énergie, et il faut aussi j'ai du temps, parce que le temps maintenant, depuis milieu août, ben, mon temps est très, très restreint par rapport à YouTube, etc. Je n'ai plus beaucoup de temps pour YouTube, pour pouvoir proposer des vidéos de qualité. Du coup, c'est pour ça que certaines vidéos sont bâclées, vous avez certainement vu, mais ça fait depuis le mois de juillet, c'est comme ça, juste pour me préparer déjà mentalement et que la chaîne soit déjà préparée entre guillemets. Mais à cause de ça, j'ai remarqué que statistiquement, excusez-moi, j'ai quand même perdu pas mal d'abonnés. J'étais à 1080, maintenant je suis à 1050 par exemple. Mais ça fait quand même beaucoup, hein, je vous dis. Et du coup, j'aimerais bien faire des vidéos sur les simulations, genre Farming Simulator, etc., sur des gameplays chill ou faire des lives. Mais je sais pas trop comment faire parce que je suis très limité en termes de matériel. Tout en sachant que mes vidéos ne sont pas monétisées, c'est-à-dire je ne suis pas rémunéré avec mes vidéos, hein, mais il n'y a pas de pub sur mes vidéos, normalement quand vous cliquez, si vous voyez que c'est écrit YouTube avant de commencer la vidéo, après que ma vidéo se lance, ça c'est que c'est YouTube qui a mis. Par contre, si vous voyez des publicités soche, etc., par rapport à votre pays, etc., et c'est que la vidéo, bah, j'ai mis des pubs exprès pour que je gagne des revenus. Sauf que là, non, non. Mes vidéos ne sont pas monétisées parce que je respecte ça. Je pense qu'il y a trop de vidéos sur YouTube et il y a trop de pubs justement. Mais du coup, je pense. Mais sachez que bientôt, mes vidéos seront monétisées. Je dis bien bientôt. C'est pas pour maintenant. C'est pas pour 2020. C'est pas pour 2021. Hein. C'est encore loin. Hein. C'est pour 2022. Vous en rendez-vous compte? Là, on a encore un an et demi. Un an, ouais, à peu près un an et demi ou 2 ans avant que je fasse monétiser mes vidéos. Mais il faut que j'en produise. Enfin, surtout, je vais pas monétiser toutes mes vidéos, je vais monétiser des vidéos qui m'ont demandé beaucoup de ressources, beaucoup de travail, beaucoup de temps pour que mes vidéos soient rentabilisées. C'est-à-dire que je vais pas mettre des vidéos, je vais pas mettre des pubs sur une vidéo où j'ai fait juste faire un gameplay, j'ai parlé par-dessus comme là en ce moment, et après je vais monétiser. Non, 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 non. C'est juste un truc où, par exemple, si je fais la vidéo, hein, je donne un exemple, mais je vais pas le faire. Hein. Si je vais, bref. Par exemple, si je fais la vidéo de Farming Simulator qui m'a pris beaucoup de temps en recherche, qui va me prendre beaucoup de temps en recherche, eh ben, imagine que je sorte ça en 2022, ben, forcément je vais monétiser cette vidéo parce que j'ai pris beaucoup de temps pour le faire. Et du coup, voilà. Alors, par contre, il faut savoir qu'au début, j'aimais pas les simulations. C'est juste que là, vu que j'ai repris les cours milieu août, etc., du coup. Ça me détendait de voir des simulations le soir en rentrant de chez moi, c'est-à-dire Bus Simulator 18 ou Farming Simulator par exemple. Ça me détend. Déjà, Farming Simulator 14, quand je l'ai installé, ça me détendait, juste moissonner. C'est vrai, c'est répétitif, mais ça me détendait, ça me stressait pas. Et Bus Simulator, bah, je regardais les vidéos de Bus Simulator avec Galax. Franchement, c'est trop top et il arrive à me relaxer quand même. Bref, la vidéo va presque toucher à sa fin, je vais vous dire aussi que le serveur Discord est en description. N'hésitez pas à aller le rejoindre. Franchement, j'ai pas créé un serveur pour rien. Et je remercie aux gens qui ont rejoint ce serveur. En tout cas, tout est en description. Mon Instagram, mon serveur, etc. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et n'hésite pas à dire poisson rouge si t'as regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi, je vous dis à ciao pour la vidéo. Salut tout le monde, c'est Conseil.